Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode bonus de Strangerville. Je sais pas encore comment je vais appeler la série, hein, c'est pas grave, j'aurai juste quelques heures pour y penser. Mais en tout cas, j'ai créé de nouveaux personnages qui vont enquêter avec moi, avec vous peut-être, si vous ne savez déjà pas tout ce qui se passe, parce que moi je n'en sais rien, je n'ai rien regardé, ce sera une découverte totale. J'ai essayé de ne rien voir de ce qui se passait avant la sortie du pack. Donc ça y est, je suis ravie, c'est parti. Nous avons ici Karl Mund, qui est donc un superbe beau mec, magnifique tout ça. Il a une nouvelle aspiration qui est le mystère de Strangerville. Et en gros c'est Strangerville cache un sombre et profond secret. Et ce sim veut découvrir pourquoi tous les habitants ont un comportement un peu étrange. Donc voilà, Karl aura cette particularité. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Cette coupe de cheveux est tellement belle, je suis tellement amoureuse. Il est beaucoup trop beau pour moi. Bref. Et sa colocataire, coéquipière, c'est Naomi. Naomi, donc, qui est plutôt asiatique et qui aussi porte des vêtements spécialement de Strangerville, du pack Strangerville. Comme ici, bah, là, non, il y a juste le haut parce que j'aimais pas les bas et les baskets, c'est de Heure de Gloire. Vous verrez leur tenue au fur et à mesure. Donc, Naomi, elle, par contre, elle a le trait paranoïaque, puisque je pense que c'est un nouveau trait. Je suis ravie, en tout cas. En tout cas, je ne l'avais jamais vu avant. Paranoïaque. Les Sims paranoïaques ont l'impression qu'un danger se cache à chaque coin de rue et que les gens parlent d'eux en permanence. Ils se sentent en sécurité lorsqu'ils sont dans un sous-sol. Ok, d'accord. Donc, je vais devoir acheter une maison avec un sous-sol, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Puis regardez quand on clique dessus. Ah, bah non. Ah, oui, mais attendez. Là. La tête qu'elle fait. C'est plutôt pas mal. Allez, on les retrouve tout de suite sur la map de Strangerville pour s'installer. Pour le coup, je vais choisir une saison printemps. Voilà, on est parti. La nouvelle map de Strangerville avec le petit van qui s'anime. Ça a l'air super joli. Wouah, c'est trop bizarre d'avoir une nouvelle... Oh, il y a des baraques de ouf! Ah, mais on peut pas y aller. C'est les Shady Acre. Impeccable, isolé et niché tout en haut d'un plateau, le quartier Shady Acre accueille les habitants les plus aisés de Strangerville. Personne ne sait comment certains d'entre eux sont devenus riches. D'accord. Et donc, ici, on peut pas. Ici, je sais pas ce que c'est. On peut aller que... Ah, à deux endroits. On a le Habitat 42 et le coin Carpophage. Donc, c'est pour manger des carpes, j'imagine. Donc on a que deux endroits pour vivre, hein, par contre c'est un peu réduit, après j'ai pas forcément envie d'aller là, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à faire une maison, c'est bête mais... Après je peux faire un petit code hein, et puis on va dans cette maison là hein, si on veut. Mais bon, là il y a une chambre, une salle de bain, Habitat 42, et il y a ça. On va aller là. Le coin carpophage, on va manger des carpes. Et ça, c'est le fameux... D'accord, ok. Bon, écoutez, on y va, hein, on y va. On va découvrir tout ça. Oui, meublé. Strangerville! Bienvenue à Strangerville, la ville où la seule chose plus étrange que ses habitants, c'est sa flore. Peu de temps après votre emménagement... Je vais y arriver, hein, c'est le stress, tout ça. Vous commencez à comprendre le slogan de la ville. Certains habitants se comportent d'une manière un peu suspecte. Il y a beaucoup de militaires et de scientifiques en ville. Essayez de poser des questions aux gens sur Strangerville. Ils pourront peut-être vous éclairer sur cette situation étrange. Très bien. Nous voici donc dans notre maison, qui ressemble quand même énormément aux pauvres petites starters pourries de Willow Creek. À quelques petites choses près, c'est-à-dire qu'on a... Bon oui, franchement, c'est la même chose. Mais on a des nouvelles fenêtres, nouvelles portes, d'après ce que je vois. Je vais juste commencer à faire une chose. On a 3 000 euros Simflouz. Je vais vendre celui-ci puisque ils ne sont pas en couple. Mes protagonistes ne sont pas un couple. C'est des colocataires, donc j'ai besoin de deux lits. Sinon, ah, on a des lits en plus. Ah, on a un lit en plus, le superposé. Idéal pour tous les types d'utilisation à l'intérieur, malgré sa structure solide et rigide, ce lit léger fournit un confort maximal. Il est parfait pour ceux qui veulent juste un lit sans fioritures pour se reposer. Ben c'est parfait, on va en prendre un de chaque. Enfin, un de chaque. Voilà, bon, alors toi, tu nous casses les pieds, on te vend. Ça va être minimaliste chez moi, mais... Ah, il y a quand même des jolies couleurs, hein. Allez.
Voilà, un sera pour lui, ça sera pour elle. Oh, sticker horloge défilement du temps. Oh, on a des nouveaux trucs, c'est trop bien, je vais le mettre là. Au niveau papier peint, on a des trucs là, parce que c'est quand même moche. Hein. Je vais vraiment relooker rapidement, mais je vais mettre de la peinture. Un truc tout bête. Voilà, ça. Ça, c'est très bien. Hein. Et puis dans la chambre aussi. Peut-être dans la chambre, je vais faire un truc un peu plus... Voilà. Comme ça, c'est bien aussi. Ça, c'est une nouvelle lampe. Je m'égare. Je m'égare, mais il y a l'air d'avoir tellement de nouveaux trucs. C'est trop mignon. Oh, trop bien. Ok, j'arrête. On est là pour enquêter. Si ma souris veut bien. Mais On a un quoi? Modifier les mots de passe. On a un truc? Ah bah super. Bah c'est cool. Bon, on va commencer à faire... Oh, regardez. Prendre une photo. Viens prendre une photo. Toi aussi. Tu vas la contempler, tu vas prendre une photo. Plante bizarre, sauvage. Cette plante bizarre a un éclat étrange, comme si elle était contrôlée par une autre entité. On dirait que quelque chose pousse à l'intérieur. Ah! J'ai pas envie de savoir ce que c'est, moi. Ok. C'est lui qui fait du bruit? Cette plante... Ok. Alors, quoi? Il était marqué quoi? Cette plante bizarre a un éclat étrange, comme si elle était contrôlée par une autre entité. Oui, mais elle a sifflé. Viens prendre des photos. Viens prendre une photo. Alors? Elle va faire des bip-bip? Je sais pas. En tout cas, c'est bizarre, hein? Le monde, comment est-il? Ah, c'est super mignon, toutes ces maisons comme ça. J'aimerais bien qu'on puisse faire des lots comme ça, où c'est vraiment collé, tout ça. Ça, j'aimerais bien, mais bon. Là, c'est quoi? C'est une bibliothèque, ok. Là, il y a un scientifique en ville. Bon, on va commencer à voir et enquêter. Ah! Elles sont bien, ces plantes-là. Elles sont belles. On peut pas les avoir. Je sais pas, on verra. Je sais pas du tout par où faut commencer. Mais bon, on va bien trouver quelque chose à faire. En attendant, voilà, nos enquêteurs vont commencer à enquêter. Mais il y a plein de trucs. Tiens, viens ici. Oh! Il y a une boule qui... Ah, c'est génial! Ils ont fait ça aussi, c'est trop bien. Je crois qu'on a des... On a les voisins qui viennent nous souhaiter la bienvenue. Oh, mais regardez ici, on a l'avion écrasé et tout comme ça en plein milieu. Bon, il faudrait on va y aller. On va y aller de toute façon, mais je regardais juste un peu partout. Il y a toujours des petites plantes qui poussent là. Et on peut pas... Ah, oui. Mais on peut pas interagir plus que ça avec elle. En tout cas, pour l'instant, il y a juste des trucs à creuser. Donc, je l'ai emmené pour creuser. Ah, il y a même des pneus et des bagnoles et tout. Oh, mais c'est trop beau, hein. C'est trop bien fait. Hein. Super. Ok. Ok. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il faut... Les voisins se font un peu peur quand même. Oh mon Dieu. Mais... Ah. Il part trop chelou. Oh non, j'adore. Oh mon Dieu, ils font flipper. Ah, oh, c'est trop drôle. Oh, regardez. Elle s'est pris la porte dans la gueule. Oh mon Dieu. Essayez de parler, Alexandra. Ah oui, on peut pas parler normalement. Mais arrête avec ton ordinateur, toi. Essaye de parler aux gens. Tiens, viens. Toi, viens, jusque-là. Et essaye de parler aussi à Alexandra et... comment il s'appelle? À Lucas. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, celle-ci? Je crois qu'elle veut nous contaminer. Elle nous a foutu une plante. Ah,
Ah, ils sont flippants! Oh, d'accord! Ah! Nos yeux sont ouverts! Our eyes are open! D'accord, je comprends mieux les messages des Singurus d'un coup. Mais elle, elle nous a planté un truc, donc j'ai peur là. Est-ce que c'est une plante qui va nous manger? Essayez de parler avec Sandra. Ok. Nos yeux sont ouverts. Oh punaise, ils font trop flipper! C'est trop rigolo, mais j'adore pour l'instant. Je sais pas du tout ce que ça peut être, hein. On va enquêter, je sais pas ce qu'il faut faire, mais... Ah, comment ils regardent en même temps, en plus! Notre mère vêtue de rouge, elle est la beauté... Ah, oh, c'est Siona Gothique! C'est pas possible autrement. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, bon, ce truc? Parler de Strangerville avec 5 Sims. Tenter de faire reprendre ses esprits. Hé, hey, la fille du trailer! Ah, lui, il foutait des bœufs. Je suis pas sûre que ce soit ça qu'il faut, hein. Ah, la tête! Oh, punaise, ils font trop peur! Je suis désolée, je rigole comme une débile. La mère sait tout. Ne lui résistez pas. Oh my god! Elle m'a vu venir. J'adore. C'est complètement débile. Bienvenue à Strangerville. Y a quelqu'un de normal qui est là? Rejoignez-nous dans le cratère. Ok, en tout cas, Ah, ils m'ont planté des trucs. Attendez. Tu vas aller arroser, Carl, et on va voir ce que ça va donner. On verra bien. Toi, tu fais flipper quand même, Cocotte, hein. Je te le dis. Beaucoup, même. Oh, oh. Il y a des Men in Black qui viennent tout près de la maison, là. Je sais pas ce que ça... Ils rentrent chez nous comme ça. D'accord. What? Des traces d'infection ont été détectées dans votre réfrigérateur. Nous l'avons confisqué ainsi que tout son contenu. D'accord. Demandez de partir. Ah! Ils ont repris les plantes. On sait pas... Bonjour. Non, on peut pas vous parler. Elle est parano, ça y est, elle est tendue. Il n'y a rien à voir ici, tout se passe normalement, veuillez vous abstenir de vous approcher du laboratoire secret et bonne journée. Bah, c'est, en nous disant ça, forcément, ça va réveiller notre curiosité, hein, monsieur, dame, hein, forcément. Hein. Ouais, toi, va te calmer, tiens, va prendre une douche. Ouais, ouais, je lui ai mis une truc random au niveau de machin. Alors, lui, il doit parler de Strangerville avec 5 Sims. Acheter une curiosité à la boutique de curiosité, examiner la porte scellée au laboratoire secret. Ok, donc ça nous donne déjà des directions à faire. Très bien. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Notre étrange d'agent de secret de Strangerville. Des traces d'infection ont été détectées. Ah, tu peux mettre ça dans ton inventaire, monsieur, s'il te plaît. Compétence 1 de l'éducation. What the fuck? T'as fait quoi, toi? Humiliation parentale sur Internet. Mais tu fais n'importe quoi, mon gars, t'es nul. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Il faudrait que je trouve la boutique pour acheter des trucs, mais je vois pas du tout où ça peut être. On va essayer de bouger un peu. Nous voilà au bar. J'adore cet objet. Je l'avais vu dans le trailer. Je le kiffe. Alors, au bar, on va demander des trucs à certaines personnes. On va parler de Strangerville. Et toi aussi. On va voir ce qu'il va nous dire. Ces conspirationnistes illuminés sont persuadés qu'on nous cache quelque chose dans le laboratoire secret du cratère. Mais en fait, ils ne savent rien. Le laboratoire secret dans le cratère, en dehors de la ville, n'est pas accessible aux civils. Vous ne devez y aller sous aucun prétexte. Après, c'est vrai que j'ai pas fait la... Est-ce que je veux faire la carrière? Je sais pas. Je pense pas. J'ai pas très envie. Bon, on va parler avec elle. Parler de Strangerville et elle aussi parler de Strangerville.
Qui sont ces gens ? Nous voulons tout savoir sur la ville. Nous venons d'habiter ici et on se rend compte que les voisins sont un peu chelous quand même. Hein. Il n'y a rien à voir ici. Circulez, d'accord. Mais elle, c'est pas c'est elle qui est venue nous, chez nous, là. Hein. C'est une agente du FBI, celle-ci. Les conspirationnistes du coin pensent que l'armée nous cache quelque chose. D'accord, très bien. Ok, mais ah ouais, mais il y a les célébrités qui viennent jusqu'ici, là, et qui nous cassent les pieds aussi. Strangerville est une ville charmante. J'espère que vous apprécierez votre séjour ici. Évitez juste de vous rapprocher du laboratoire secret dans le cratère. Ah, ils en parlent tout le temps de ce laboratoire. Il va falloir qu'on y aille, un de ces quatre, hein, ça c'est sûr, hein. Strangerville est une ville charmante. Bon, on est encore sur le même truc. Ah ! Mais ça bouge ce truc ! C'est trop bien ! Ah, c'est trop beau ! Ah, c'est trop bien, j'adore. Oh, mais j'ai trouvé ! Le typo au truc là. Et c'est la fameuse truc de curiosité. Je l'ai trouvé. Parce que je pensais à un bâtiment dur, moi, genre un truc comme ça en fait. C'est pas du tout ça, c'est ce petit truc là. Très bien, monsieur. Par contre, il y a des trucs qui émanent de toi. Je sais pas si t'es au courant. Pourquoi il se marre ? Des scientifiques font des recherches dans les archives de Strangerville à la bibliothèque locale. Je me demande ce qu'ils cherchent. Et sinon, comment dire ? Pourquoi on a l'impression que t'écoutes des gens, en fait ? C'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'il écoute des gens. Mais c'est peut-être pas le cas. Vous devriez vraiment aller voir ce laboratoire secret. Il paraît qu'il s'y passe des choses étranges. Vous devriez pouvoir entrer par la porte arrière. D'accord. Et on va t'acheter un truc peut-être. Et on va te révéler, on va te complimenter. On va dire que t'as un très beau chapeau et un très beau sourire. Alors, nous avons plein d'autres choses. Éviter d'être surveillé sans une astuce pour éviter les fouineurs et espions extraterrestres. Mascotte carnaval. Un fruit bizarre. Comme s'il contenait un sort d'espoir vivant. Oh ben ça doit venir de la plante. Je suis sûre que ça vient de la plante, ce truc-là. Lampe lave bleue. Oh, lampe lave violette. Les mystères jamais révélés de Strangerville. Tu vas prendre ça. Micro d'espionnage. Il peut être placé sur d'autres Sims. Une fois... Oh, je vais le prendre. Plante vache disséquée. Oh là là. Simanati. Vous devez douter de tout. C'est un poster, c'est trop bien. Tatou pour toi bleu. Ok. Voyance pour les pitres. Ben, je vais faire ça et bouquin et je vais prendre une cyclope là, je sais pas quoi. Et je vais essayer quand même le fruit. Voilà. C'est quoi ce bruit bizarre? Oh, il y a un serpent! Ah non, pas ça! Oh, il va où? Je pense pas qu'on puisse se faire bouffer par un serpent, mais il y a des serpents. C'est trop bizarre les bruits qu'il y a, je sais pas si vous entendez, mais... Oh, il a enfermé un nain! Inventaire secret. Va reparler de Strangerville et examiner la porte scellée du laboratoire secret. Donc on va devoir y aller, effectivement, comme d'habitude. Hein. On peut pas avoir le même chapeau que lui. Je suis limite déçue, marchandée. J'ai entendu dire que... Ouais, ok, on a compris. Très bien. Bon, bon, on va devoir y aller, hein, les gens. Allez, on y va. En plus, j'ai laissé Naomi là-bas. Avec plein de gens. Eh, hey, mais c'est quoi? C'est un jukebox, ça, alors? Ah, c'est trop canon, putain! Pour le ticket challenge, ça va être génial! Oh, il est trop beau! Ah, j'adore! Et nous voilà au... laboratoire. Vous en... C'est quoi ce bruit? On dirait de la musique. Oh yeah! Cette soirée est réservée aux hommes. Les gentlemen peuvent aller... Oh, je pense pas que ce soit ici que ce soit réservé aux hommes. Hein. Au laboratoire. Alors, il y en a encore des plantes. On peut rien faire avec ces plantes-là. C'est quoi ça? C'est pas... On peut pas agir non plus. Ça, on peut pas interagir non plus. Celle-ci, on peut la contempler. Je vais mettre les murs. Porte de derrière, peut-être. Non, c'est pas celle-ci. Est-ce que c'est celle-là? Non. On peut rien faire ou...
On peut y aller. Oh, il y a quand même plein de trucs là. Ok. Par où peut-on rentrer? En fait, on peut rentrer comme on veut, je suis sûre, dans ce machin. D'accord, mais c'est... Eh ben non, parce que... C'est là qu'il faut aller, c'est ça? Ah oui, je suis bête, moi aussi, des fois. Ah, voilà, parce qu'il y a les escaliers qui vont en bas. D'accord, donc en fait, on peut venir ici, tranquille. Personne va nous casser les pieds, quoi. Donc, tu commences à avoir faim. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas servir le dîner. Une salade du jardin. Allez. Vous allez manger. Tranquillement. Comme ça sera au moins fait. Bon, il est tard. Très tard ou très tôt. Je leur ai fait manger et dormir. Mais on n'a que de l'interaction avec cette porte. Donc, elle va enquêter là-dessus. On verra bien ce que ça donne, hein. Cette porte est verrouillée. Elle semble nécessiter une carte d'accès. Quelqu'un en ville saurait peut-être comment en obtenir une avant de partir fouiller le laboratoire secret pour rassembler plus d'informations. Oui, donc voilà. C'est maintenant qu'il faut chercher dans les documents. Ok, très bien. Eh ben, on va le faire. Elle a trouvé une photo floue suspecte. D'accord. Un rapport en partie censuré. Réunissez 15 preuves sur Stranger qui constituent un dossier secret. Vous trouverez des preuves en posant des questions. D'accord. Ah oui, donc il faut y aller quand même un peu. Faut y aller longtemps, quoi. Ok, il a terminé sa première étape. Il faut qu'il rassemble 15 preuves constituent un dossier secret sur Stranger. Ouvrir la porte scellée du laboratoire secret. Ok, du coup, bah, je vais pas la faire enquêter elle, puisque ça va être lui de le faire, vu que c'est lui qui a l'aspiration. Donc, comme il a déjà. Elle a déjà commencé. Tu vas chercher des preuves là, mon petit. Tu vas en chercher là. Ici. Ici. Parce que dans l'état ici, on peut pas encore, apparemment. Donc, ça viendra avec le temps. Par contre, c'est cool. Ils ont carrément fait des. Ah, non, mais j'aime bien le fait qu'ils aient défait les chaises, en fait, qu'elles sont pas collées au bureau. C'est sympa. Ouh, il a même trouvé une clé. Attendez, il a trouvé plein de trucs. Ah non, ça c'est elle. Oh, il a trouvé plein de trucs. Il a trouvé une photo donc de plantes bizarres, c'est celle qu'on a faite nous. Un microfilm infrarouge. Un rapport en partie censuré. Une clé de sécurité clandestine et une note écrite en hâte. Donc il faut continuer. Ils sont plus très en forme à l'heure qu'il est, hein, les petits. Vu qu'ils ont dormi là comme ça dans le laboratoire. Bon, on a croisé personne, donc c'est pas si dangereux. Je veux dire, on peut y aller. Il n'y a personne qui va dire non, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah bah, il y a encore des trucs à fouiller. Trop bien. Tu vas pouvoir y aller tout de suite, mon petit. Mon petit Karl. Et en fait, après, ça devient comme ça. Un microfilm, encore une fois, infrarouge. Et ici, il a pris quoi? Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Un hologramme déformé. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire? Par contre, ils sont crevés. Il doit encore rassembler les preuves dont constituer le dossier secret et ouvrir la porte secret. C'est ici. Donc, ben, je pense qu'on a fait notre tour ici. On doit retourner en ville pour interroger, eh bien, les habitants. Je les fais retourner chez eux parce que là, je vais les faire dormir parce que ils sont pas du tout en forme. Non, mais on va pas sortir non plus. Tu vas aller dormir parce que là, ça ne va plus et on va constituer le dossier. Mais je pense qu'on va surtout le constituer pour la prochaine fois. Mais attends, c'est parce qu'ils dorment! Mais je m'attendais pas à ce que ça accélère! Oh zut! Mais là, elle marche normalement! C'est trop bizarre cette histoire! Bon, ben moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de l'enquête sur Strangerville. Pour l'instant, j'aime bien. C'est complètement bizarre. Je sais pas à quoi m'attendre. Voilà, je m'attends à rien. Donc c'est cool. Si vous voulez, il y a la page Utip dans la description pour regarder quelques publicités pour m'aider à acheter des packs Sims 4 comme celui-ci et les prochains qui arriveront. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de l'enquête sur Strangerville ou d'autres choses. Allez, salut!